Bienvenue dans cette cour des écoles. Nous sommes ravis de vous recevoir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on s'est préparé pour avoir des idées, ça a été l'évidence qu'il fallait donner la parole aux jeunes. Voilà, on commence. Alors vous allez voir, vous allez partir dans une aventure qui va être super. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous verrez après avec l'équipe, hein. Moi je généralise. Vous allez vous exprimer, faire des projets, voir si c'est possible ou pas de le faire. Il va falloir des sous aussi. Pas évident, hein, les sous. Hein. Attention, hein. Attention, attention. Hein. Et puis vous allez réaliser votre projet. Et puis quand vous serez convaincu de ce que vous voulez faire, ben, il va falloir discuter avec les autres pour les convaincre aussi que ce que vous allez faire, ben, ça va être utile pour eux. Voilà, et ben, ça va être génial. En tout cas, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir, de vous accompagner, j'espère pour une belle aventure. Et pour les parents qui sont là, leur épanouissement, leur émancipation, c'est tout ce qui compte. Et ils vont très bien se débrouiller tout seuls. Bonne aventure et à très bientôt. Merci Marie. Donc je me présente, je suis Romain Vialès. Mais effectivement, à mon tour, moi aussi je suis très content que vous soyez présents ce matin pour qu'on puisse lancer ce premier conseil municipal des jeunes. Le conseil, ce conseil-là, ça sera le vôtre. C'est un conseil qui va être mis en place par vous. C'est un conseil pour les jeunes qui est fait par les jeunes. Voilà. Donc, je vous présente simplement la délégation jeunesse. Donc, ça va être les personnes avec qui on va travailler ensemble tout le temps, à chaque fois qu'on va pouvoir se réunir dans les conseils. Et après, je laisserai la parole à Jérôme Desfranca, l'association des Francas du Gard. C'est le directeur départemental qui vous expliquera lui aussi à son tour les réseaux, l'organisation, un peu plus le concret. Et si vous avez des questions après à poser, eh bien, écoutez, toute la délégation sera là pour y répondre. À la fin de la réunion, on vous fournira un petit dossier d'inscription que vous pouvez remplir après, vous le remplissez et vos parents aussi. Et, on vous fournira la carte d'électeur aussi, c'est une carte qui est importante, le jour des élections. Donc je vous présente, pour la délégation, il y a Julien, pardon, Christelle, Christophe, Estelle, Majuba et Angélique. Voilà. Et donc moi, c'est Romain aussi, j'en fais partie. Je passe la parole à Jérôme. Alors, déjà, je souhaite saluer l'initiative de ma place qui est celle des élus, parce que pour les enfants, je suis d'abord et avant tout animateur. Donc, quotidiennement, je suis partout dans le département, au contact d'enfants. Et je crois qu'il faut saluer, et je crois qu'il faut qu'on se rende compte, les enfants, de la chance que vous allez avoir grâce aux élus adultes qui sont ceux de la commune de Fons, grâce à leur initiative, grâce à leur impulsion, la chance que vous allez avoir, les enfants, de pouvoir monter des projets, participer à la vie de votre commune et bien proposer des choses qui vous concernent en disant, nous en tant qu'enfants à Fons, eh bien on a envie de faire telle chose, telle chose, telle chose. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Pour une fois, ce n'est pas les adultes qui vont décider à votre place. C'est vous qui allez décider avec les adultes. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, on le doit aux élus adultes, parce que c'est grâce à eux et c'est eux qui veulent vous donner la parole. Et ça, c'est un beau projet de la part des adultes pour vous, les enfants. Quoi qu'on dise, eh bien, il y a une vraie volonté de travailler pour l'enfance et pour la jeunesse, ici, sur la commune de Fons. Et je crois que vous avez cette chance inouïe. Voilà, je voulais juste dire ça parce que, de votre place d'enfant, mais qu'est-ce que j'aimerais vivre à Fons ?
coup, alors comment ça va se passer? Parce que il va falloir faire des élections, se présenter, proposer des projets, être élu, ou peut-être accepter d'être battu à l'élection. C'est aussi la règle. Quand je me présente, parfois je peux gagner, parfois, eh bien, mes idées, eh bien, ce ne sont pas celles qui sont majoritaires, alors je peux perdre. Mais l'important, et on va se mettre dans la posture où tout le monde va gagner. Et donc, vous allez proposer des projets. Vous allez vous présenter au suffrage de vos petits copains. Présenter au suffrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos copains, vos copines auront la possibilité de voter pour vous et pour le projet que vous présentez. Alors, on va vous redonner le calendrier juste après, mais je crois que les candidatures, si mes souvenirs sont bons, sont jusqu'au 12 septembre et que les élections ont lieu le 1er octobre. Ma mémoire est bonne. Ça date d'hier soir, donc ça va, c'est pas très ancien. Et donc, vous allez pouvoir vous présenter jusqu'au 12 septembre. Après, il va y avoir une petite campagne, on va pouvoir présenter les projets de chacune et de chacun. Et le 1er octobre, à la sortie de l'école, je crois, eh bien, les enfants, les autres enfants, et vous aussi d'ailleurs, vous aurez la possibilité de voter. Voter pour vous, parce que vous avez le droit de voter pour vous, mais aussi voter pour les copains et les copines qui portent des projets qui vous semblent être intéressants pour la mairie. Et après, vous allez donc être élu. Mais de vrais élus enfants qui allaient représenter l'ensemble des enfants de la commune de Fons-Outre-Gardin. Des élus enfants qui vont pouvoir parler avec les élus adultes qui eux aussi ont été élus pour représenter l'ensemble des habitants de Fons-Outre-Gardin. Et donc, vous allez vous réunir en conseil, comme le conseil d'adultes qui se réunit régulièrement, présidé par Madame le maire. Eh bien, vous allez vous réunir en conseil d'enfants, conseil municipal d'enfants, pour pouvoir échanger sur les projets, décider des projets que vous allez effectivement mettre en place parmi tous ceux qui auront été élus, et ensuite, eh bien, vous allez monter les projets, les réaliser. Alors, quel projet ça peut être? Eh bien, je ne sais pas, je ne vais pas là vous donner des idées, parce qu'on... Après, si je donne des idées, vous allez reprendre les idées, considérant qu'elles étaient bonnes, alors que mon idée n'est pas bonne et que ce sont vos idées qui seront les bonnes. Et donc, vous allez les monter, faire des commissions, travailler par petits groupes de travail pour monter les projets. Bien sûr, vous ne serez pas seul. Bien sûr, vous serez aidé. Bien sûr, il y aura des adultes pour vous aider à monter le projet, à réfléchir. Et ce sera super sympa parce que ça va être fait de manière sympa par le jeu. On ne sera pas à l'école, hein, on va passer de bons moments ensemble à construire les projets. Voilà un peu l'idée, voilà comment ça va se passer. On va travailler en conseil, puis par petits groupes de travail pour monter les projets que vous aurez choisi de faire. Madame le maire disait, ça va coûter des sous. Eh bien oui, mais tout projet coûte des sous, mais après ce sont des choix. Et c'est-à-dire quand on a envie, quand on trouve qu'un projet il est bon, eh bien on donne des sous pour le financer parce qu'on a envie de le soutenir, parce qu'on trouve qu'il est bien pour l'ensemble des enfants de la commune.